J'avoue que là, c'est pas prévu du tout. Les gars, c'est bon le la co là? J'ai eu un problème de co, je sais pas pourquoi. Ah, la co, elle va pas me casser les couilles aujourd'hui. Attendez, sinon je relance le live au pire. Hein. Ça bug, 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 ça bug, ok. Au pire, je relance le live, les gars. Dites-moi là si ça bug encore. Dites-moi, les gars. On est trop. C'est pour ça que ça bug. Est-ce que ça bug encore, les gars, ou pas? Comme ça, on fait les choses bien dès le début, tu vois. Ça bug vite fait. Tout est bon, genre là maintenant, c'est bon. Salut. Ouais, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. Ok, les gars. Bah, si c'est bon, on touche plus rien. Ma coach, j'espère, elle va pas être instable aujourd'hui. Parce que franchement, sinon, je vais péter les plombs. Je vais péter les plombs. Mais bon, ça va pour l'instant. En fait, t'en es où à Chronostone? Et bah, comme tu peux le voir, chapitre 7, on va le commencer aujourd'hui, les gars. Et on va le finir aujourd'hui. Aujourd'hui, va se passer beaucoup de choses. Parce qu'il va y avoir. Bah, je peux pas vous le dire à chaque fois. À chaque fois, je vais vous raconter, mais non, je vais pas le faire. Salut mec, je t'adore. Bah merci les gars, c'est moi, je vous adore. Franchement, ça fait plaisir que vous soyez nombreux sur les lives Inazuma. Et demain Twitch, on va regarder film Pokémon. Pokémon Mewtwo, je crois. Carré, ok. Bah les gars, on va commencer. Juste deux secondes, je vérifie le titre du live, s'il est bon, tout ça. La miniature, si j'ai bien mis. Ok, bah c'est bon. T'as oublié la vidéo sur Fate? Non les gars, alors cette vidéo, je l'ai pas oubliée. Cette semaine, je pouvais pas la faire. Enfin, je l'ai pas fini, mais je suis en train de la monter. Tous les jours, je suis dessus, gros. Tous les jours, je suis sur cette putain de vidéo. Mais je m'en sors pas. Parce que le soir, on va dire, quand je rentre chez moi, il est du genre. Tu vois, ça doit être 18h. 18h à peu près. Le temps que j'arrive, que je me douche, que je fasse du sport, que je mange. Après manger, je suis crevé. C'est compliqué en ce moment, les gars. J'ai eu une grosse semaine. Du coup, tous les soirs, j'en faisais un petit peu. Et là, le petit peu, bah, il est presque fini. Ça veut dire on a presque fini le montage. Mais j'avoue, les gars, sur ce coup-là, j'ai pas été au top. Rem, dédicace, moi, dédicace, Nail. Ouais, le grand légendaire Inazuma, je suis là. Vous inquiétez pas, les gars, vous êtes pas en retard. Ceux qui viennent d'arriver, on a même pas commencé. Allez voir Monsieur Glace. Oh là là, il y en a un dans le chat, il a mis le début du chapitre est claqué. Je comprends mieux pourquoi maintenant. Ça fait longtemps que je suis pas venu sur un de tes streams. Et bien mec, comme tu peux le voir, on a évolué un petit peu. La chaîne a un petit peu monté. Enfin ça dépend ce que tu veux dire par longtemps après hein. On s'en fiche, le principal c'est ta santé et ta vie. Mais les gars, c'est tellement ça le principal, soyez en bonne santé hein. C'est tout ce qui compte dans la vie. Hop, alors commerce. Il est là où il est, non? Parce qu'il est toujours au même endroit lui, on est d'accord. Il est toujours dans sa planque là, avec ses PC. On dirait moi limite. Ballon de coiffure, allez vas-y on les défonce. T'as entendu Alexan avait le Covid? Ouais il m'a dit. Il m'a dit qu'il avait le Covid. Live XP recrutement mercredi. Alors les gars, je crois que j'avais dit après la période du Crétacé. Donc c'est pas encore. Je crois que c'est la semaine pro. Donc ça sera la semaine d'après encore. Et là on refera un live XP recrutement. Mercredi on sera sur Warzone normalement les gars. J'ai un petit peu joué. Je suis pas un dieu à Warzone hein, vous le verrez de toute façon. Je pense que ça sera pour le fun. On sera avec Legendaire. Voilà, on essaiera de se troller un peu tu vois. Maintenant il est rétabli, ouais il est rétabli Alexon. Tu vas faire Galaxy. Je réponds plus à cette question putain. Ah mais les gars c'est bon. Oui je vais le faire, je vais le faire. Tu vas faire la vidéo des entraînements Inazuma avec Alexan. C'est à dire, on devait s'affronter sur Striker avec Alexan. Normalement la vidéo on la tourne demain où on va s'affronter sur Striker. Donc la revanche d'Alexan. Je l'ai pas encore proposé, j'aimerais bien la tourner en IRL avec lui. Après ça veut dire si je la tourne en IRL ça veut dire bah, soit chez lui soit chez moi. Il y en aura un de nous deux qui aura une manette. Mais moi je sais pas jouer à la manette en fait. Je sais que jouer clavier souris. Donc ça va être compliqué. Parce que si je joue manette oui, je pense qu'il va me laver hein. Bon j'espère normalement on devrait la tourner à distance. Mais je vais lui proposer pourquoi pas la tourner IRL. Donc on verra ce qu'il va dire et tout. Enfin on verra.
Attends, mais je suis où là? Allez voir Monsieur Glace. Ah, mais il était là en fait. Ah, mais il est à l'hôpital. Mais il a fait quoi là? Il a fait quoi l'artiste? Qu'est-ce qu'il m'a fait, Willy? Il a trop joué aux jeux vidéo, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Et tous les personnages d'Inazuma, ils vont à l'hôpital, c'est un truc de ouf. Hein. Il y a l'arme à l'empoigne, vous croyez que ça va aller? Monsieur Glace, nous avons apporté quelque chose de la part de Celia. Passez-moi, je rêve la figurine de Lovely Lane en édition collector cosmique. Ah mais en fait c'est un simulateur lui. Ouais, il reprend vite du poil de la bête. Il était si occupé à développer ses jeux qu'il ne restait plus une seule figurine en rayon quand il a voulu l'acheter. Et c'est toujours moi ça. Quand j'essaie d'acheter des trucs, à chaque fois c'est en rupture de stock. Je me dis mais les gars, à chaque fois qu'il y a par exemple, je sais pas, on peut prendre l'exemple des vêtements, tu vois. Et ben à chaque fois genre, je veux en acheter un stylé, gros, le jour d'après, il n'y a plus ma taille. À croire les gens ils prennent tous la taille M, ça m'énerve. Une relique japonaise. Ah oui, c'est vrai, il faut qu'on se serve de lui pour ça. Ouah, c'est une photo originale, elle doit valoir une fortune. Ah, ça n'a pas été facile de mettre la main dessus, tu peux me croire. Mais un chevalier à cœur vaillant, rien d'impossible. Ok. Je n'ai jamais vu un malade aussi en forme de toute ma vie. Tu l'as dit, enfin, nous allons... Nous avons notre relique, allons la mettre en place. Ok. Et ben les gars, vous avez perdu le cadeau de Celia. Alors là, je sais pas ce que c'était. Va voir, à côté, regarde, il y a Vladimir. Pitié, il y a Vladimir. Ah, le frérot Vladimir. Si tu veux, on va voir comment il est, mais je crois que ça va pas trop mieux. Hein. Récemment, j'ai rêvé que je joue au football avec Victor. On courait tous les deux derrière le ballon, c'était tellement bien. Mais ça ne doit pas rester un rêve. Un jour, je marcherai à nouveau, tu verras. Bah on te le souhaite mec, mais en attendant Eh ben rip hein. Vladimir, je suis désolé pour lui. Mais Vladimir de toute façon c'est un personnage qui a vraiment eu un potentiel gâché hein. C'est une de mes plus grosses déceptions. Mais quel est ton chapitre préféré jusqu'à maintenant? Perso c'est celui avec Nobunaga. Alors celui de la dernière fois, j'ai bien aimé. Celui de la dernière fois, incroyable le chant des trois royaumes là. Et sinon, bah Nobunaga, moi c'est mes deux préférés. Hein. Nobunaga et celui de la dernière fois. Relique en place. Ok, là on va aller au 19e siècle. Donc les gars, c'était il y a 200 ans quoi. Enfin non, bah non. Bah si. Bah non. 200 ans, bah... bah oui en fait. C'était il y a 200 ans. C'était il y a 200 ans les gars, je sais même pas en vrai. Normalement c'était il y a 200 ans vu qu'on est au 21e siècle. Alors c'est où? C'est là? Ah c'est bon les gars, arrêtez de spammer avec PGOL, c'est bon. Et vous forcez hein. Vous forcez avec cette histoire hein, c'est bon j'ai compris, on a perdu. Oh dans mes DM Insta, la dernière fois j'avais partagé une photo dans une story où je mettais le logo de l'OL et tout avant le match. En mode c'est la puissance tu vois. Et à la fin du match, mais je me suis fait harceler. Je me suis fait harceler quand on avait perdu. L'histoire du Japon était un carrefour. Hein? Et ils n'étaient pas d'accord sur la direction à prendre. Je pense qu'ils étaient ennemis. Amis. C'était une époque très violente. Les débats se réglaient au fil de l'épée et des hommes. Laissaient... Oh putain, j'ai pas suivi du coup, je t'avoue que là. Laissaient derrière eux un silage de sang. Heureusement que vous êtes là pour éclairer ma lanterne. Je ne savais rien du tout de tout ça. Mais ça a l'air passionnant. As-tu regardé Inazuma Time? Ouais, j'ai vu, il y a un abonné, il m'a partagé. Le gars, c'est un fan animé, tu vois. Enfin, bon, il y a mieux en fan animé. Hein. Mais après, pour c'est un des premiers sur Inazuma, donc en vrai, ça va. Enfin, mais après, je t'avoue que c'est pas. Je sais pas, je vais regarder par-ci par-là, mais je vais pas suivre trop le truc. Je trouve Inazuma fait une pause, mec. Ça va, une fois par semaine. Tu commences enfin à comprendre ce qu'est la génération de la seconde phase.
Je suis ici pour te guider. Admettons, et pour aller où? Tu le sauras en temps et en heure. Pour le moment, poursuis ta traque. Il te faut accumuler de la puissance. Ah genre nous on est une bête traquée quoi. Ça veut dire en fait. Zanark, ils reprennent leur route. Et qu'est-ce qui t'arrive? Tu es dans la lune ou quoi? Comment? Rien, j'ai rien dit. Je songeais à quelque chose d'ennuyeux. Alors allez morveux, vous pensez pouvoir me doubler? Je suis curieux de voir ça. Et j'ai hâte hein, de raconter Zanark. Hein. Zanark le pitbull. Ouais ce chien là. Ce chien, on va lui montrer ce chien de la casse. C'est qui la meilleure équipe? La dernière fois c'était fini sur un match nul je crois. Mais full scripté. Mais en vrai ça s'était pas vu. Franchement le scénario trop bien fait, j'avais l'impression de jouer un vrai match. Pourtant c'était totalement scripté, on était obligé de faire le match nul. Et on va avoir un beau Miximax aujourd'hui. Hein. Bienvenue sous le soleil de Kyoto, au lieu d'un Japon à l'aube d'une ère nouvelle. Bon, on doit dénicher deux joueurs engagés dans les champs opposés, dans les camps opposés d'une guerre civile. Le temps joue contre nous, séparons-nous. On s'occupe de retrouver Ryoma Sakamoto. Et nous, on part à la recherche de Soji Okita. Ça se voit trop, c'est une fangirl, elle. Alors que la chasse commence, oh, et faites en sorte de ne pas crier sur tous les toits. Nous devons rester discrets. Ne t'inquiète pas. Quand je pense que je vais voir Soji Okita avant d'être forcé à tirer sa révérence, c'était un épice de génie, un joli garçon avec ça. Pourquoi forcer? Hélas, il est tombé malade. Soji Okita était atteint de la tuberculose. Ah ouais, c'était un grand homme, malheureusement il est parti trop tôt. J'ai envie de dire qu'il n'était pas si formidable que ça. Ah ouais, la tuberculose, c'était une maladie. Il y en a plus trop maintenant. Enfin, je veux dire, on a retrouvé des remèdes contre ça, non? A l'époque, je crois que t'avais cette maladie, c'était pratiquement sûr d'y passer. Je suis sûr que tout va bien se passer. Ah oui, sans doute. Sokita, ouais, je l'aime bien, moi. Il a une histoire, vous verrez, pour ceux qui découvrent, elle est assez touchante. Il a disparu avec le vaccin. Tu as vu Jujutsu Kaisen? Non, j'ai pas vu les gars, mais faut que je le vois, bordel. Mais là, il y a la saison 5 de My Hero Academia qui est sortie. Donc ça veut dire il faut que je fasse un choix. bah en vrai, là, j'ai regardé SNK hier aussi. Enfin, aujourd'hui même, j'ai rattrapé des épisodes que j'avais pas vus. Du coup, là, je suis à jour. Et demain, normalement, c'est le dernier épisode demain. De la première partie de la saison 4. Voilà qui m'en a tout l'air d'être la route principale. En la suivant, on finira forcément par déboucher sur la ville. Une fois en ville, on trouvera forcément des indices sur Sakamoto. Sakamoto, non? Oula, mais dans Inazuma, à chaque fois qu'on commence un chapitre, il y a un mec qui se fait bastonner. Qu'est-ce qu'il fait? Sakamoto, est-ce que tout va bien? Je suis mort. Bien sûr! Il en faut plus que ça pour blesser Ryoma Sakamoto. On dirait Shoji dans Naruto. C'est lui ? Hein ? Pas du tout ressemblant à la photo. Expectation vs réalité les gars. C'est lui Sakamoto ? Oui c'est le dernier. C'est pas encore sorti. Si c'est sorti aujourd'hui je crois hein. La saison 5 hein. Je préférais en photo. Putain. Rien de cassé, je n'ai blessé personne. Non, nous sommes entiers. Tu ne chaperas pas, Sakamoto. Tu es prêt à mourir, vaut rien. C'est qu'avec. Et c'est avec ces cure-dents pareils que vous comptez transporter mon gros ventre? Laissez-moi rire, il faudra trouver plus aiguisé que ces aiguilles à tricoter. Ah, mais il leur a mis une pointe en vrai. Hein. Il les a tracés. Il leur a mis un coup de ventre, putain. Je rêve où il vient de les assommer avec son estomac. Impressionnant. Ça vous apprendra à me chercher des noises. Grelin, vandale. Il y a encore des gens qui se battent à l'épée à cette époque. C'est qui lui, Azrael? De quoi je me mêle? Ok, lui on va le défoncer. Je vous le dis, lui, il est fini. Là, ballon de foot, c'est bon, ça me parle. Combien d'argent dispose Eldorado, juste?
Cette mascarade a assez duré. Préparez-vous à livrer une bataille balle au pied à l'attaque. Allez, 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 c'est bon, vas-y, c'est bon, pas de blabla, t'inquiète. C'est quoi ta tech préférée de tout Inazuma? Alors là, c'est compliqué, mais je dirais peut-être frappe stellar Xavier, hein, c'était incroyable. Wanli, mais qu'est-ce que tu fous là? Casse-toi là! Qu'est-ce qu'il veut? Il veut du temps de jeu, ce chien. Il y a Subaru aussi, mais c'est quoi ce bordel? Tout le temps, il me change mon équipe. T'as vu le meilleur buteur dans Record? Non, j'ai pas vu. J'ai pas vu. J'ai Mecha Marc. Putain, GG. Je sais pas si on pourra l'avoir, nous, par contre. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Mais elle, elle est abusée, oh. Elle ressemble. Bah, putain, elle ressemble à Ino. Ino dans Naruto. Allez, donne-moi. Oh, Wanli, t'es nul. Mais qu'elle a un pied gros, c'est un cube. C'est pas possible de faire des trucs comme ça. Il a un pied, c'est vraiment un cube Minecraft. Ah, ils sont broken un peu. Ah, France Ukraine, j'étais deg, les gars, j'étais deg. Après, c'est un match, hein. Mais putain, mais j'ai... Regardez comment tu veux gagner un défi avec Subaru et Wanli. C'est impossible, putain, ils font chier. Ils font que de la merde. Mais gros, ils font que de la merde, ça me rend fou. Faut que j'invote Ricardo, là. Et là, on va peut-être le perdre, le défi, hein, si je fais de la merde. Voilà, maintenant, on repasse à Ricardo. Ça va, il nous reste du temps. J'ai passé à Ricardo là. La plus belle fille de Naruto pour toi. Je sais pas trop en vrai. Je sais pas trop, j'ai pas d'avis. Moi Naruto, je regarde pas pour les meufs, tu vois. Je regarde pour le combat. Style les persos Madara et tout. C'est ce genre de perso moi que je kiffe. Madara, Itachi, tout ça. C'est pour ça que je regarde moi. D'où il a Panther Blizzard? Je sais pas, bah franchement c'est une escroquerie, mais El Casito il a dû lui faire un tuto, je pense. Et voilà, ça dégage. Quand on sent les Miximax, ça parle chinois en face, hein. Ça parle chinois. Il est rentré. Le joueur de foot que tu détestes le plus? Eugène, bah voilà. Au moins c'est dit. Je pense que c'est celui que je déteste le plus dans Inazuma. Nous avons réussi à nous en débarrasser. Je n'ai jamais vu une chose pareille. Quoi qu'il en soit, on a gagné. Mais dites-moi, que faisiez-vous exactement avec ce ballon? Ça, c'était du football. Du football? Du football, je vois, ça a l'air amusant. C'est un sport étranger, ça vient d'América. Ou peut-être de Furansu. América? Furansu? Ah, France et Amérique. Non, c'est ça. Ça veut dire Amérique et la France. Furansu. Je suis sûr que c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Je suis plus intelligent qu'Arion. Il part de la France, Arion. Oh, je suis trop intelligent, putain, mais... Oh là là, mon Dieu. Et le chat, je suis intelligent. Hein. Non, en vrai... En vrai, c'était assez simple. Dernière nouvelle, oui. Là, sa silhouette a quelque peu changé. Mais putain, mais il a maigri. C'est pas le même, c'est pas possible. C'est pourtant la stricte vérité. Cet homme est bien celui qui a convaincu... deux provinces en guerre depuis des siècles et de conclure la paix. En guerre depuis des siècles de conclure la paix. Ok. Moi c'est Eugène, ensuite Willy. Ferun, il a déjà essayé, mais il va pas le faire. Pour toi, c'est quoi la pire technique de Inazuma Eleven? Oh là, j'en sais rien du tout. J'en sais rien du tout, mais une technique un peu éclatée, tu vois. Genre, je sais pas. En vrai, je sais pas. Vraiment, lui. Oh, l'heure tourne, je dois filer chez le marchand. C'est un plaisir de faire votre connaissance, salut. Où allez-vous comme ça? Attendez-nous. En fait, c'est parce qu'il fait que courir. C'est pour ça qu'il a maigri. Je comprends mieux.
accompagner Sakamoto à la boutique. Alors, on va découvrir un peu ce, cette petite bourgade. Il y a le mec qui a bizarre panthère là. Attends, on va descendre un peu, voir si j'ai pas raté des trucs. Oh là là, il y avait tout ça avant. On est passé par là. Attends, je vais parler à lui. Ah, il faut qu'on ait un thème de conversation aujourd'hui. Les gars, faut que je parle au random. Comme ça, on peut recruter Sakanoé normalement. Faut que je parle à eux. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir? Normalement, c'est à cette période qu'on avait dit. Oh les gars, peut-être une bonne nouvelle. Donc il nous faut idée de voyage. Ok. Oh vas-y, c'est aujourd'hui qu'on peut l'avoir. Ok, je vais voir juste là ce qu'il y a. Ok, on peut pas y aller. Regarde les records MCSTP. Pourquoi vous voulez voir les records les gars? Je sais même pas où on va en plus pour voir les records. Vous voulez voir quoi? Attends, par contre faut que je change ma formation de défi là. C'est plus possible. Stratégie. Défi. Composition. Ah mais je sais pourquoi ils ont changé. Parce qu'en fait les autres ils sont partis. Bon, en attendant, c'est quoi, on va faire comme ça. Voilà Lucien, on va lui redonner sa chance un peu. Voir le meilleur buteur. Attendez, on va regarder. Dans les paramètres. C'est là, non? Non. C'est où déjà? Options. C'est où les gars? Prouesse. Ah ok, merci. Alors, meilleur buteur Victor 40 buts, Arion 24, Fei 24 et participation donc Arion 67, Victor 57. Ok, Victor large en tête hein, pour l'instant. Hein. Ok, mais ça c'était prévisible de toute façon, il n'y a pas de grande surprise là. Mais je vous dis bientôt, il y a peut-être Sol qui arrivera dans le classement. Par contre c'est dommage, on a que les 3 premiers, c'était mieux avant, on avait au moins une dizaine ou une vingtaine de joueurs avant. Vas-y, faut que je parle au random moi. Ok. Chanson dans la tête, non c'était pas ça, c'était souvenir de voyage qu'il nous faut. Oh, une photo, ok. Je peux faire la présentation de Sol, je l'ai déjà fait. Ok. Bon bah c'était pas là, vas-y on continue en haut. Alors qu'est-ce qu'il y a là? Une ruelle sombre, j'aime pas trop ça là. Il y a des ruelles sombres et tout. Non, oh putain, voilà, mais j'en étais sûr. Je le dis, les gars, je le dis. Putain, mais qu'est-ce qui me casse les couilles? Niveau 26 en plus. Par contre, ils sont plus forts que nous. On va vérifier ça tout de suite. Ryuma, ok. Frappe, katana ancestrale. Le football est triste. Tu veux prendre Mecha Mark? Ça les, on fera lors du live XP les gars. Et de toute façon on peut pas encore le recruter. Tu peux parler à Wunderbar pour avoir des nouveaux Miximax, mais ne fusionne pas l'aura des joueurs. On fera ça lors du live XP les gars aussi. Alors bon, c'est là qu'il faut qu'on aille. Alors, vous en avez reçu? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Ah, monsieur Sakamoto, toujours attiré par les nouveaux produits que je fais importer. Voilà, en provenance directe des Pays-Bas, du café. Le café, c'est... C'est pas... Ça vient pas du tout des Pays-Bas, les gars.
Et ça ne manque pas de goût d'amertume, quel drôle de goût. Mais les gars, on est d'accord, c'est une escroquerie là. Ça vient pas des Pays-Bas du tout. Au 19e siècle, le café ne coulait pas les rues au Japon, Arion. Vous n'avez fait qu'une gorgée. Quand je pense que les Néerlandais avalaient ce liquide noir et amer à longueur de journée. J'ai un doute sur la formation là. J'ai un petit doute. Je crois qu'il faut s'y faire en effet. Mais une fois qu'on a l'habitude, je parie que ça descend tout seul. T'es toujours sous le level, ouais, c'est trop. Rien d'étonnant à ce qu'il s'intéresse aux nouveautés de son temps. Il était connu pour son ouverture aux cultures étrangères. C'est à lui. Et c'est lui qui va conduire le Japon sur la voie d'un avenir radieux. Oh putain. Ah, la blague vieille comme le monde. Le mec il te lâche une caisse. Le café est importé des Pays-Bas. Ça vient du Brésil, non? Ouais, je pensais que ça venait des pays d'Amérique du Sud, moi. Combien d'Amérique, enfin, je crois. On est d'accord, les gars. Et là, ils ont fait une erreur. Oh, qu'est-ce que vous faites là? Puisque vous êtes ici, je vous invite à ma table. Il n'est pas de bon repas dans une bonne compagnie. Je connais un petit restaurant sur les quais dont vous me direz des nouvelles. C'est moi qui régale. Ah putain, ça me manque les restos, les gars, moi aussi. Ça me manque de ouf. On va pas se mentir, j'attendais autre chose de ce voyage. Les fast-food, c'est bien, tu vois, t'as capté, mais... Un petit restaurant en terrasse, là, en bord de mer. Avec des petites moules frites, là. Avec de la petite moula aussi. Non, mais en vrai, ça manque les restos. Force à vous s'il y a des restaurateurs dans le chat, hein. Ou des fils de restaurateurs. T'as bientôt fini le jeu? Non, pas encore. On en est à la moitié, là, à peu près. C'est un peu plus. Cet endroit a l'air drôlement huppé. Ne faites pas de chichi et suivez-moi. Ah ouais, il est chez Bocuse, en fait. C'est lui, il a les clés de la maison, Sakamoto. Mangez, c'est mon cadeau pour vous remercier. Ça a l'air trop bon. Alors, qu'est-ce que tu attends? Remplis-toi la panse. Il faut prendre des forces à ton âge. Il mange comme quatre, rien qu'à le regarder, je me sens repu. Donc, monsieur Sakamoto a souvent des ennuis avec le Shisengumi. Ok. C'est quoi, restaurant? En 2020, connais pas. T'imagines, on oublie ce que c'est. Ces misérables n'ont aucune curiosité. Il y a des merveilles à découvrir partout autour d'eux et ils ne les voient même pas. Sans vouloir vous contredire, il me semble que vous faire la guerre pour ça est exagéré. Vous n'avez pas peur que ça tourne mal? La seule chose dont j'ai peur, c'est de quitter ce monde avant d'avoir pu le changer. Miam miam, chaque homme dispose d'un certain temps sur Terre et nul n'échappe à son destin. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Et si je renonçais à tenir le rôle qui est le mien, alors qui d'autre le tiendrait? Il fait que bouffer, hein. Et quel est votre destin? Moi, je dois ouvrir le Japon au monde qui l'entoure, voyons. Cet archipel n'est qu'un minuscule morceau de terre au milieu de l'immensité du monde. Et nous y resterons confinés depuis 20 ans. Ah non! Ah c'est bon. Ah le confinement, c'est bon, on a compris. Ah 200 ans, eux. Oh 200 ans, ils sont confinés. En nous ouvrant à nos voisins, nous ferons qu'augmenter le rayonnement de notre nation. N'est-ce pas une juste cause? Et le Japon, en vrai, il s'est bien ouvert au monde, hein. Quand tu penses avant, ils étaient fermés du monde, bah alors là, maintenant, c'est tout le contraire. Et moi, je vis pour le Japon, limite. Et les gars, de toute façon, moi, je veux trop faire un vlog au Japon. Je veux trop faire un vlog au Japon et vous filmer ça sur YouTube. En vrai, si je pouvais faire ça d'ici la fin de mes études, là, si je trouve un métier et tout... C'est incroyable, parce que en plus un voyage au Japon c'est cher de ouf. J'ai participé à Inabuzz, non, on m'a proposé d'y participer. J'ai pas eu trop le temps et l'occasion d'y participer hier. Donc je lui ai dit de toute façon, gars, si jamais tu veux refaire une saison, bah n'hésite pas à penser à moi, tu vois, je lui ai dit ça. Bon, c'est sûr, maintenant vous êtes bien l'homme qu'on recherche. Donc s'il y en a un prochain, normalement les gars, je serai de la partie, normalement. Vous me cherchez pourquoi? Parce que nous devons vous emprunter votre force. Vous devez quoi? En gros, on va te taser avec un pistolet, si t'as pas compris. Nous, on se plaint pour 3 mois de confinement.
confinement de père en fils. Inazuma va prédire ce qui va nous arriver. Crossover, Inazuma Eleven Go, Corona Quest. Les gars, c'est trop. C'est trop. Pourquoi tu me réponds pas? Désolé si j'ai pas vu ton message. Je vous jure, c'est vrai, vous devez me croire. Je vois pas tous les messages, les gars. Et là, malheureusement, bah du coup, j'ai pas vu ton ancien message. Du coup, c'est un peu dommage. Si vous avez besoin de mon aide pour protéger ce sport, vous appellerez le football. Ok, il va le prendre pour un fou, là. Je suis pas sûr de tout comprendre, mais je vais vous aider. Sakamoto. Merci du fond du cœur. Ah, c'est ça, Ryoma Sakamoto, que je connais. Je suis fier que vous soyez mon jumeau de prénom. Je vous demanderai qu'une chose en contrepartie. Apprenez-moi à jouer au football. Il est grave sympa, en vrai, Sakamoto. Pourquoi cet air étonné? Tu devrais pourtant savoir que je suis toujours friand d'apprendre de nouvelles choses. Ok. Deux salles, deux ambiances. Hein. Ah, vraiment, il y a une différence d'ambiance, gros. C'est à ce moment-là que les suspects se sont mis à taper dans le ballon. Affirmatif, ils nous ont empêché de mettre la main sur Ryoma Sakamoto. Tu peux faire qui, Zanark? Ah, j'aimerais bien, les gars, mais c'est à vous. De toute façon, je vous pose la question à chaque fois, qui voulait que je fasse dans la prochaine vidéo. Donc, dans les commentaires, je compterai sur vous. Enfin, comme vous voulez, les gars. Mais j'avoue que Zanark, j'aimerais bien le faire. Que faites-vous dans notre code d'honneur? Dois-je vous rappeler que le Shisengumi est régi par des préceptes de samouraï? Oh, c'est Demon Slayer en fait. Nous sommes désolés, par pitié, commandant Kondo. Nous appelons à votre mansuétude. Ok. Reprenez-vous. Oui, monsieur. Tout porte à croire que Sakamoto a établi un contact avec la province de Tosa. On doit ourdir quelques complots. Cette zone est un véritable nid d'opposants. Ça ne me dit rien qui vaille. Je ne vois pas d'autre explication chez ces canailles. J'aime bien parce que des fois ils mettent des mots ultra compliqués, gros, genre en mode philosophe. Et la phrase d'après, ils te sortent des mots en mode canaille. Oh putain, ça n'a aucun sens. Ça suffit. Qu'on double les patrouilles. Sakamoto doit être localisé et neutralisé. À vos ordres. Commandant, quels sont les ordres concernant Okita? Oui, il faut fuir le Shinsengumi, comme la peste. Ses membres sont plus imprévisibles que des bêtes sauvages. Bonjour, Rems. Est-ce que j'ai raté beaucoup de choses? Non, en vrai, ça va, t'as rien raté pour l'instant. Et ces derniers temps, ils sont plus brutaux que jamais, croyez-moi. Plus ils sont loin, mieux on se porte. D'accord, nous serons prudents, merci beaucoup. Je récapitule, ce sont des brutes si effrayantes que les enfants n'osent même pas pleurer en les voyant. Doit-on vraiment les rencontrer? Bien sûr qu'ils sont effrayants. Ils maintiennent l'ordre dans une capitale en proie à la guerre civile. Ils doivent mater le crime. Mais toutes ces arrestations du monde n'empêcheront pas l'histoire de se dérouler, ni le futur de s'imposer. Ok, mais tu peux pas changer là, tu peux pas changer le passé. Sinon après ça va avoir trop de conséquences. Il y a beaucoup de dialogues là. Petite question, est-ce qu'on reconnaîtrait ce jeu Okita si on le croisait? On sait même pas à quoi il ressemble. Fastoche, on cherche un beau gosse. Ok, mais tu conviendras que c'est un peu maigre comme indice. Ah, mais elle a trop. Mais elle est trop en feu, hein. Faut qu'elle se calme. Calme-toi, Jade. On ne conçoit pas ce jeu Okita autrement que beau gosse, point final. Commençons par chercher au quartier général du Shinsengumi. Oh, elle est en feu. Une vraie fangirl. Une groupie de 14 ans là qui voit sa célébrité. Oh, c'est faut qu'elle se calme un peu. Hein. Quelle heure tu as commencé ton live? 18h, les gars, c'est toujours 18h. Quartier sud. Je sais pas pourquoi. J'ai du flair. Ah, j'allais dire défi. J'allais dire, il y a des mecs qui vont nous agresser. Voilà, j'en étais sûr. Je sais où se planque Ryoma Sakamoto, j'ai un témoin. Alors, qu'est-ce que tu fais encore planté comme un piquet? Cours au QG, il faut prévenir le commandant. Et ça doit être trop stylé de se battre avec un katana. À cette époque, ils avaient tous des katanas, c'est trop classe, je trouve. Et moi, je ferai des mouvements et tout, 7e mouvement de l'eau, machin. Et je m'entraînerai de ouf, moi.
Tu peux faire une vidéo avec Monsieur Chi Stylist. Vous étiez beaucoup à me demander. Sauf que lui, il m'a pas contacté, je crois. Donc en vrai, s'il me contacte, faut que déjà que lui me contacte déjà. Pour les fans de Kendo. Ok. Intéressant. Il dit voilà le QG du Shin Sengumi. Au sein de Paypan Min, je m'attendais à quelque chose de plus cossu. C'est quoi ce plan? On s'affiche discrètement? Ça me paraît un peu risqué, commençons par inspecter les alentours. Il fait trop le patron fail. Bah après en même temps c'est un peu le boss. Commandant Sakamoto a été vu dans un restaurant sur les quais. En vrai ceux qui aiment pas fail, je sais pas pourquoi. Franchement, moi qui ai fait son histoire là il y a pas longtemps en présentation. Honnêtement il a une histoire de ouf hein. C'est ça le repère du Sengumi? Un peu lugubre non, vous êtes fâché avec les couleurs. Qui va là putain? Mode capture. Oh putain. Le commandant, qu'est-ce que vous lui avez fait? Mode contrôle mental. Et il sait pas ce que c'est une porte hein, Zanark hein. Ah qu'est-ce qui se passe? Je suis Izami Kondo, le commandant du Shin Sengumi. Et vous êtes à mes ordres, compris? Oui, commandant. Ah, je savais que vous direz ça. Ah, mais c'est trop. Mais il a ce pouvoir en plus. Il peut se faire passer pour une personne. C'est... Ah, son ballon, il est trop cheaté. Hein. Non mais sois encore plus lent frérot. Pas de temps à perdre. Oui ouais, bah, d'accord. Pas de temps à perdre. Ah. Non ce n'est pas le moment de baisser les bras. Putain il est sous Covid là le frérot. Il est pas bien là. Pendant que Ryuma Sakamoto est encore dans ce monde. Ah j'en ai oublié un. Qui êtes-vous? Moi je suis commandant Kondo, tu te remets pas? Tu ne me remets pas, ok. C'est une plaisanterie. Qu'avez-vous fait du commandant? Mode contrôle mental. Et il s'arrête pas, hein. Qu'est-ce que c'était? Êtes-vous un sorcier? Le contrôle mental a échoué, voilà qui est contrariant. On dirait que j'ai affaire à un dur à cuire. Comment t'appelles-tu? Soji Okita, capitaine de la première division du Shin Sengumi. Okita, voilà qui explique tout. Les choses prennent une tournure très intéressante. Qu'est-ce que... Tu n'iras pas très loin dans cet état. Et il est vraiment pas bien. Ok, là il vient de lui donner un doliprane, les gars, je vous le dis. Un doliprane télépathique. Ma poitrine, la douleur a disparu. Je me sens en pleine forme. Qu'est-ce que tu voulais, non? C'est ce que tu voulais, non? Eh hey, mais c'est trop, hein, mec, c'est ce mec, il a tous les pouvoirs. Hey, les scénaristes se sont dit quoi? Bon, on n'a pas trop d'explications, on va leur donner un ballon avec tous les pouvoirs les plus cheatés. Ah, ça y allait, hein, dans la loge, putain. Dans le studio scénario, ça y allait, hein. Marché conclu. Qu'attendez-vous de moi? Je veux que tu défies Ryoma Sakamoto en duel. Ah ouais, c'est Koh-Lanta le bail. Ils vont utiliser là les nouveaux trucs là, les armes secrètes. Ils utilisent un cheat code. C'est un hacker Zanark. Il n'y a pas un chat par ici, tant pis pour Soji Okita. On va pas non plus faire le pied de grue jusqu'à demain. Okita il est malade à l'époque où nous sommes, je te l'ai dit. Il ne faut pas s'attendre à voir balader le nez en l'air dans le jardin. Bon eh bien nous n'avons pas le choix, il va falloir pénétrer à l'intérieur du bâtiment. Capitaine Okita. Ou pas. C'est vrai qu'il est beau gosse. Qu'est-ce que je t'avais dit? Prends ça dans les dents, Cazador. Capitaine, soyez raisonnable. Vous ne devez pas sortir. C'est à moi seul dans ce jugé. Et je vais bien. Que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde est agité? Ryuma Sakamoto a été aperçu dans un restaurant sur les quais. Comment? Très bien, je suis prêt. Ah, mais vous vraiment lui chlasser la tête en place publique. C'est un malade, hein. Il cavale drôlement vite.
Ça se trouve, Zanark il peut se transformer en titan, mais il l'a jamais fait. Zanark, c'est le mec qui arrive tout doux, à faire tout alors que toi, tu ne sais rien faire. Ah bah c'est sympa ça, Daniel. Daniel, c'est gentil ça. Alors, oh le coffre, putain, mais à ça par contre, vraiment ça me frustre de ouf. C'est une des choses les plus frustrantes dans Inazuma. Eh, y a aucun PNJ hein, qui veut me dire le thème. Hein. As-tu des animaux chez ta maison? Non, moi j'ai rien parce que mes parents ne veulent pas. Moi je leur ai demandé, hein. Je leur ai demandé plusieurs fois. Pourtant j'ai un jardin et tout, mais ils me disent non parce que en gros, si tu veux, c'est de l'entretien, ça coûte de l'argent et tout. Donc, puis ils veulent pas faire ça sur un coup de tête. Donc, c'est, de toute façon, je suis pas chez moi donc. Mais quand je serai chez moi, je pense que j'essaierai d'avoir un animal de compagnie, tu vois. Mais après, je m'en occuperai bien, hein, les gars. Je le nourrirai bien, j'essaierai qu'il soit heureux et tout. Enfin, je m'en occuperai. Enfin. C'est pas un truc à prendre à la légère. Bon, il est parti à droite. Oh, oh, oh. Oh, non. Attends, c'est quoi déjà le thème? Je le voyais, il faisait que parler, je me suis dit... Merde, attends. Deux secondes. Alors, le thème, c'est quoi? Putain, c'est toujours pas ça, quoi. Rem, ça va? Je voulais savoir si tu joues sur quel site. Ça fait plusieurs fois que je le répète. Je joue sur Inazuma TV. C'est pas un site, en gros, c'est un... Enfin, si, c'est un site, mais tu peux télécharger des fichiers, en fait. Que tu vas ouvrir avec un logiciel qui s'appelle un émulateur et en gros tu pourras jouer au jeu. Je n'aime pas ça, suivons-le. Et imaginez qu'ils se rencontrent, on pourrait faire d'une pierre deux coups. Les coups, c'est plutôt ceux qui. C'est plutôt eux qui se les donneraient. Je te rappelle qu'ils sont ennemis jurés. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de rester ici à bavarder. Allez, en route, on se dépêche. Moi, je te jure, honnêtement. J'ai toujours voulu voir un duel au katana, tu vois. Donc je pense honnêtement, je les laisse se battre. Et juste, j'admire. Je veux trop voir un duel en mode Demon Slayer. Attention. Oh, il y a tellement d'intensité. Joli frappe, vous avez ça dans le sang. Oh, c'est menteur. Ah, je l'ai. Et ça commence à rentrer. Oui, je suis plus agile qu'on ne le croit. Notre... le flot de Wunderbar, je suis KO. Ah, je suis explosé, putain. Oh, il a le meilleur flot, gros. Oh, c'est vraiment le boss, putain. Il a mis un petit brindis de paille dans la bouche. Il t'a chié en sueur, je vous jure. Et le Triomon n'a pas l'air de s'ennuyer non plus. Et Wunderbar, il est au max là. Il flex trop ce chien. Tu dois faire qui est seul. Les gars, j'ai déjà fait. Le mec, il me donnait un ordre quoi. Merci de m'avoir laissé jouer. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment le football à votre époque? Carrément, il y a des coupes du monde et tout. C'est sûrement le sport le plus populaire de la planète. Des coupes du monde, tu dis le monde réuni autour d'une activité commune. C'est ce dont j'ai toujours rêvé. C'est le moment où jamais de lui poser la question. Et les gars, faut noter le flow de Wunderbar. Hein. Notez-moi ce flow. Hein. Wunderbar, l'ours le plus stylé du jeu. Et les gars, notez-moi son flow sur 10. Ryoma, nous voudrions essayer d'effectuer un Miximax. J'ai cru qu'il avait dit un Miskina. Un Mikishima. Ça a l'air goûtu, allez-y. C'est très important pour nous, vraiment. Allez, c'est parti. Le taser. Elle lui a mis du 200 volts. Il est pas bien, là. Non, il a trop de flow, on est d'accord, hein. Pourquoi ça n'a pas fonctionné?
Notre Ryoma n'est pas encore prêt. Vraiment? Pas encore, j'ai dit. Quand on se verse une grande quantité d'eau dans un petit bol, il déborde. L'eau se répand au sol inutile. Attends, quoi? Quand on verse une grande quantité d'eau dans un petit bol, il déborde. Ouais, et l'eau se répand au sol inutile. Ah, j'ai pas compris. Hein. Pourquoi il dit ça? Alors, Ricardo est une carafe et Ryoma est un bol, si j'ai bien suivi. Ryoma, c'est un bol. Les gars, je comprends rien. C'est trop pourri. Je te jure, je comprends rien à leur truc. C'est parce que mon cœur n'est pas aussi vaste que l'océan, c'est ça? Ah ouais. Sûr que ton cœur est assez vaste, Ryoma. Moi aussi, j'ai du mal à me représenter la chose. Je suis sûr que le tien est, fait l'affaire. Alors, c'est quoi le problème? Est-ce qu'il y en a un dans le chat qui a compris? Son exemple de la carafe, j'ai rien compris. Oh, Victor, il a porté ses couilles. Quand tu joues à Inazuma, tu peux bien expliquer, j'ai envie d'essayer. Ah, mais les gars, je vais pas vous faire un tuto, il y a plein de tutos sur YouTube. C'était moi une. Elle est cette question, les gars, j'en ai marre, je vous jure. Oh, le nombre de fois qu'on m'a demandé d'expliquer comment jouer, alors qu'il y a plein de tutos sur YouTube, t'as juste à taper comment jouer à Inazuma sur émulateur. T'as 20 000 vidéos, je te jure. Comment jouer Inazuma sur PC, genre, tu tapes juste ça. Mon nom est Tsuji Okita, capitaine de la première division du Shinsengumi. Prépare-toi à quitter ce monde. Les gars, je veux bien vous aider, mais faites un petit effort aussi. Écoute, si on s'asseyait plutôt autour d'une bonne tasse et de mon nouveau café pour en discuter tranquillement. Non, je dois te... Tu respectes pas notre accord, Okita. Ah, enfin un peu d'action. Putain, c'était pas trop temps. Au bout de 50 minutes. Ah putain, ça fait du bien. Tu l'as remis sur pied, je comprends mieux. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Vous vous êtes engagé dans le Shinsengumi? Primo, je trouve ça plutôt saillant. Secondo, et pour être tout à fait précis, j'ai pris la place du commandant. Appelez-moi Izami Kondo. Ah, vrai blaze. En fait, Ryoma est trop faible. Eh les gars, le chat, vous avez combien? Vous avez une latence, non, un peu? Je savais que tu dirais ça. Ça t'intrigue, hein. Manque de peau, c'est pas tes affaires. Alors, qui est d'attaque pour une petite partie de foot? Que la fête commente. Ah oui, putain, enfin. Ah oui, un défi, allez, vas-y. Moi, je veux un match, mais bon, un défi, c'est déjà ça, les gars. On va se contenter de ce qu'on a aujourd'hui. Et j'espère que le match il est bien s'il y a un match. Hein. Intégrer. Je dois intégrer Ryoma du coup. Putain, il est niveau 27. En vrai, ça va comme nous. Je le mets à la place de. Je pense de Goldie. Et je pense que c'est bon. Ok. Ouf. Alors, donc là c'est Zanark plus Okita. Il est où Okita? Il est là, ok. Allez, c'est parti. Oh, quelle rapidité. Rien que t'imagines Mixmash dans la vraie vie, c'est stylé. Bah, c'est un peu tes parents, quoi. C'est ce que tes parents, ils ont fait. Hein. Première fois que je pratique ce sport, mais ça paraît si facile. Ça doit être grâce au sort lancé par ce Zanark. Et Okita, tu te débrouilles drôlement bien, dis donc. N'espère pas sauver ta peau avec de vil flatteries. Et là, en fait, c'est les pires ennemis qui jouent au foot ensemble. C'est un peu comme si Trump et Vladimir Poutine, ils jouent au foot, tu vois. Le truc insensé. Oulala. Là là. Bon, ça va, il a pas de force. Tranquille. Par contre, JP il est bien marrant, mais à chaque fois il me dégage la balle, gros. Oh, c'est un calvaire là.
Oh le calvaire. Vas-y, j'utilise un rêve flamboyant. Mais lui, je sais pas, je connais pas ses techniques. Mais c'est un défenseur, normalement il a rien. Ok, il a rien. Les gars, faut que j'arrive à faire la passe à... Voilà, à Ryoma, je voulais. Il fait quoi? Il fait quoi? Et JP, il fait... Oh non, ils sont éclatés, putain. Oh là là, mais c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe, putain. Oh mon dieu. En fait, je suis obligé d'activer des Miximax et des armures pour gagner les défis, sinon je me fais rouler dessus. Ça me fout la haine. Bon allez, rien flamboyant, comme ça je capte la balle. Tu me fais une bonne prise de balle. Et tu fais pas chier, JP. Voilà. Voilà, maintenant démarquez-vous. Vous savez ce que c'est, hein? Vous démarquez? Oh, ils sont rapides, ces chiens. Oh, c'est un truc de ouf. Voilà, Faye, apprends-le. En plus, leur gardien, il est ultra chaud. Comment je fais? Victor, Victor. Victor, il arrive à marquer. Oh là là, il va jamais réussir. Je vais perdre le défi, les gars. Je vais perdre le défi, je pense. Vas-y, on teste, hein. Vous pensez il arrête ou il arrête pas, le chat? Vous pensez il arrête? 455. Allez, Victor, je crois en toi. Je crois en toi, Victor. T'as un bon. T'es le meilleur buteur. Quoi? C'est une blague, putain, on va jamais marquer. Oh là là, j'ai perdu, les gars. En même temps, avec des joueurs éclatés, tu vas pas avancer, hein. Oh là là, la blague. Je sais pas si on doit le perdre forcément ou pas, mais j'ai pas l'impression qu'on devait le perdre. Oh. Ah, ils te mettent une musique en plus. En mode pour te prouver que t'es bien une merde. Vous n'allez pas renoncer maintenant aux Lakers, on repart à l'attaque. On pue la merde. Oh, cette équipe, elle pue la défaite. Sol, viens dans le défi. Viens dans le défi, mon enfant. T'es le seul bon dans cette équipe. Sol, on va le mettre. Faye, tu dégages. T'es éclaté. Et on va mettre Ricardo. Ah, là, les gars, on met des vrais joueurs. Oh, mais dégage, putain. Putain, ils font trop chier. Vas-y, je le réaffronte, les gars. Alors, du coup, on remet Sakamoto. Ah, mais du coup, faut que j'enlève quelqu'un. Là, ça me fait chier. Limite, j'ai envie d'enlever JP parce qu'il est trop naze. Mais je peux pas, c'est mon seul goal. J'enlève qui, les gars? Victor, Sol ou Ricardo? Victor, Sol ou Ricardo? Victor est nul. Bah, en vrai, Victor, il arrive pas à marquer. Donc, je pense que je vais l'enlever. Et là, on va mettre Sol en pointe. Voilà. Le vrai, le seul. Voilà, on va aller faire la passe et je vous jure, Sol, il va les enchaîner. Oh, ils nous ont pas mis la... Normalement, il y avait une cinématique avant, un truc. Ah oui, c'est vrai, faut que je mette un jeton spirituel aussi. En fin de live, rappelez-le-moi, les gars. Rappelez-moi, faut mettre un jeton spirituel à Sol. Comme ça, il peut utiliser l'armure. Sol, il va plier ça en 4-2-2. Ils vont pas comprendre. Voilà, oh, ils sont tellement rapides, ils arrivent à me suivre. T'as vu, ils sont même plus rapides que moi, oh. Ils se sont fait doper, hein. Voilà, il peut rien faire, là.
Oh merde, blocage. Alors est-ce qu'il arrête? Je pense pas hein. J'ai quand même eu peur putain. Ah ça se joue à pas grand chose. Mais bon ça va, Sol c'est le boss. Ils sont forts l'équipe de Zanark, ils sont très très forts. Je débloque l'armure de Sol au prochain chapitre. Ah ok. Ok les gars, bon bah Simir le chat hein. Qu'est-ce qui t'arrive? Le ballon va trop vite pour toi. Vous voulez éprouver ma voileur? Ça se dit ça? En quelque sorte. Et je peux te dire que je ne suis pas déçu. Le football n'est qu'un jeu pour toi, c'est ça? Bah ciao. Il a réellement pris le contrôle du Shinsengumi. On a un problème. Ce n'est pas parce que je m'ennuie, mais je dois y aller. D'autres affaires m'appellent. Merci de m'avoir fait découvrir le football. Ah mais il est vraiment pas bien. Ça va, merci. Quand je pense que vous allez jouer au football dans cet état, le pouvoir de Zanark lui a permis de dépasser ses limites. Il en paye le prix maintenant. Ce Zanark n'a vraiment aucun honneur. Il est pas bien. Le football n'est qu'un jeu pour toi. Bah logiquement oui la base. Non mais ils prennent trop ça au sérieux dans Inazuma le football. Ils sont en mode c'est trop. Mais ça arrive des conflits interplanétaires gros. Zulan Drive y pensait le football. Genre il allait devenir le mec le plus riche de la Terre. Dans Galaxy il y en a, il va détruire la lune. Non mais c'est trop. C'est le rôle du Shinsengumi de protéger le Shogunat. Je dois empêcher de nuire même si je dois en payer le prix. Le meilleur mixmatch. Ah ouais mais le titre les gars, le titre le meilleur mixmatch, je l'ai mis à l'arrache, je savais pas quoi mettre en titre. En vrai il est stylé donc c'est pour ça que j'ai mis ça. Roma Sakamoto. Lui-même. Tu crois vraiment qu'on va laisser un rebelle de ton espèce pénétrer dans le château de Nijo, siège du shogun, du balai? Bien sûr que non, je veux seulement délivrer un message à l'intention du shogun Yoshinobu. Putain, les japonais, toujours, quand ils doivent se saluer, ils se baissent comme ça, genre comme ça. Je trouve ça incroyable, le respect. Et nous, en France, pour saluer, c'est... Si on se check, tu vois, ou limite, le mec, c'est pas du tout ça, hein. Je me demande quelle affaire appeler Sakamoto. Au Japon, ils sont ultra respectueux, les gens. Je pensais qu'il était avec vous. Combien de fois lui ai-je dit de ne pas se déplacer seul? Ils sont ultra respectueux, par contre, ils osent pas. Genre, c'est un peu des faux culs, tu vois. Ils osent pas trop dire ce qu'ils pensent de toi en face. Mais le mixmatch avec Sakamoto a échoué et Okita ne voudra pas se joindre à nous. Et je souhaite bien du plaisir à celui qui voudra le faire changer d'avis. Je n'ai jamais vu une tête de mule pareille. Tout va bien, Victor? Oui, ne t'inquiète pas. Ils ont du flow leurs vêtements. J'aime bien les vêtements comme ça. Sakamoto. Vous voilà, regardez-moi ça, une lettre du shogun. Le Japon, c'est pas le 93. Pas la même ambiance. Il m'accorde l'entretien de l'enceinte, même du château de Nijo. Et les gars, en vrai, j'ai failli habiter en Seine-Saint-Denis, moi. J'ai failli habiter là-bas parce que j'avais une école là-bas de où je voulais y aller. Et en vrai j'ai failli y aller mais j'y suis pas allé pour le coup. Ça va, je ne suis pas rentré, je sais bien que je me serais fait découper un morceau sur le champ. Restez sur vos gardes. Ils ne sont pas idiots, vous êtes leur ennemi. Il n'est pas question de vous laisser vous jeter dans la gueule du loup. Mais le shogun ne doit quand même pas ignorer le Shinsengumi qui lui a échappé. Oh, il y a trop de dialogue, ça me... Wow. Ah les gars, il y a beaucoup trop de dialogue. Regarde le chat. Je suis milliardaire grâce au football. Il est là. Il y a Zulan Rice dans le chat. Il s'est ramené gros. Il a entendu. Il a entendu football. Il s'est ramené gros. Regarde le chat. Tu as commencé ton live à quelle heure? 18h. Tout Nozuma, il y a eu des méchants. Bah ouais, il y a eu des fous.
Zulan Rice dans le chat en fait partie. Enfin, faut pas trop que je l'énerve, sinon il va me détruire. Il va m'arrêter. Il va me faire un lavage de cerveau comme à Robingo, je vais pas comprendre. Le système RH là. Et vous serez pas tout seul, on vient avec vous. Tout deux fois qu'une, si nous sommes à vos côtés, rien ne peut vous arriver. Votre soutien est précieux, merci. Par contre, je trouve en vrai Irina dans Orion, c'est un petit peu une copie de Zulan Rice, hein, je trouve. Hein. Orion, c'était pas mal, il y a énormément de défauts. C'est vraiment dommage hein, qu'ils aient fait ça. Hein. Franchement, moi j'aurais pas fait un truc aussi. Moi j'aurais été à la place de Wave 5, mais j'aurais jamais sorti ça. Or, rester Orion, j'aurais. C'est une des idées de ouf, mais il y a trop de défauts. Et l'animation, en voyant ça, j'aurais pas osé. Hein. Pour le respect des fans de Inazuma, j'aurais pas sorti ça comme ça. Et des fois, on dirait ils font du. Sur certaines scènes, ils font du 3 images par seconde. C'est pas possible. Enfin, même 3 images par seconde, c'est trop pour eux. Non, soit c'est un défi. Oh, une pierre. C'est qui? Oula, j'ai peur. Bon, ça va. Ah, tu tombes à pic, porc et pic, mate un peu cette danse que je viens d'inventer. Air guitar. Ok. Petite danse, ok, petite célébration. Ça, j'aime bien ce qu'ils ont inventé. Oh, ça, je le sens bien, eux. Eux, je le sens bien. Je pense qu'ils vont me donner un thème. Non. Allez, allez, s'il te plaît. Oui, let's go. C'est ça. C'est ça, les gars. Oh, putain, les gars, enfin. Enfin, on peut l'avoir. Le live XP recrutement. On avait dit que je voulais l'avoir, mais on avait vu qu'on n'était pas encore au bon chapitre pour avoir le dernier thème. D'ailleurs, j'avais bien le seum. Et là, c'est bon, les gars. Objectif accompli, Sakanoué. Bienvenue au club. Oh là là, il arrive. Quel flow. Qui aime bien Tasuke? J'ai dit Sakanoué encore. Putain, je dis tout le temps Sakanoué. Mais en vrai, je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'ils se ressemblent. Du coup, eux, on n'a pas réussi à les avoir, malheureusement. Ouais. Vous l'aimez bien le chat. D'ailleurs, je vais le mettre. Qui est-ce qu'on vire? On a beaucoup de joueurs maintenant. Faut que je refasse l'équipe hein, là un peu. Toi, tu dégages. Hop. Goldie à la place de Subaru aussi, il va dégager. Et Victor à la place de Eugène. Bah voilà, les gars, en vrai, il n'y avait pas trop de questions à se poser. Hein. Letton, il a quoi? Il monte très lentement. Hein. Voilà, les gars, bah je pense que c'est ça du coup. Oh non. Mais Layton, non, il est pas encore assez fort. Il a qu'une technique et on a beaucoup de milieu de terrain déjà. Mais si il augmente bien et il apprend une bonne technique, je le mettrai. Ouais, le château de Shogun. Alors c'est ici qu'il vit. Ce château est immense. C'est dommage, le Wave 5, ils ont pas fait SNK. T'imagines, t'as Levi dans le jeu. T'as Levi, t'as Eren, il invoque un titan. C'est un grand honneur pour moi que vous ayez consenti à m'accorder un entretien. Trêve de politesse, dites-moi ce qui vous amène et ne tournez pas autour du pot. Très bien. En un mot, je désire ouvrir le Japon au reste du monde. C'est-à-dire? Je souhaite restaurer l'autorité de l'empereur. Mais il n'y avait pas déjà un empereur à cette époque? Oui, mais il n'a aucune autorité. Tout le pouvoir est entre les mains du shogun et Ryoma veut le rendre à l'empereur. Nous ne pouvons pas poursuivre sur la voie de l'autarcie. Ce n'est pas viable. Pour devenir une grande nation, une nation éprise d'égalité et de justice, nous devons nous inspirer du reste du monde. Nous pouvons attendre d'être envahis,
ou bien montrer notre détermination et récolter le respect au lieu du sang. L'égalité, les samouraïs au champ et les paysans en uniforme, c'est ça? Voilà bien une idée de samouraï vivant au milieu du fumier. Quel fils de pute! Mais quel enculé! C'est vraiment un chien! Oh. Commandant Kondo, approchez, je vous prie. Le bâtard! Oh, ce manque de respect! Non. Voyons ce que la proposition de Sakamoto inspire au commandant du Shinsengumi. Visiblement, nous arrivons trop tard pour l'empêcher de contrôler l'esprit du shogun. Ils nous ont tendu un piège. Alors, qu'en pensez-vous? J'en pense qu'il me vient une excellente idée. Encore, non mais gros, ah bah arrête. Mode création de terrain. Oh, il force tellement. Il force trop avec sa balle. Sa balle magique là. Enfin, enfin. Voici mon idée. Nous disputerons un match de football dont l'enjeu sera l'ouverture ou non du Japon. Qu'en dites-vous? Mais oui, mais avec un grand plaisir, Zanark, avec un grand plaisir. Votre petite équipe de rigolo contre moi et le Shinsengumi. Et vous allez l'emporter? Toujours le mot pour rire, Yoshinobu. Oh là là, ça fait trop plaisir. Enfin, enfin le match. Octa, il paraît que vous êtes le plus grand épéiste du Shinsengumi. En tant que tel, je vous charge de la capture de Sakamoto. Et ils veulent pas le lâcher, hein. Menez cette mission à son terme et nous saurons récompenser le Shinsengumi. Je mets ma vie au service du gouvernement, votre éminence. Quelle loyauté. Et Victor, on l'a pas trop vu, hein. On l'a surtout vu rater ses tirs, mais à part ça, on l'a pas trop vu. Ok les gars, je regarde s'il y a un petit coffre, mais à mon avis, Radinland, on connaît. Ah, y'a rien. Y'a rien du tout. Oh, toi ta mère. Oh non, mais même là, ils mettent des défis. Oh, mais je l'avais même pas vu sur la map en bas. Oh, je me casse de là, je me casse de là. Foutez-moi la paix, bordel. Non, mais même là. Allez, je sauvegarde les gars, là on sait qu'il faut sauvegarder dans ce genre de moment. Level 33 je crois, on est niveau combien nous? 26. Ah ouais, il y a un problème là. Vas-y hein, on y va hein. On va au charbon comme toujours. Sakamoto doit participer. Ok, gérer votre équipe, ok. Alors Sakamoto, bienvenue. On va virer du coup. Ah, il a monté de niveau par rapport à tout à l'heure, je crois. Il était 27. On va virer. On vire qui, les gars? Qui vous voulez virer? En vrai, AD, après, il peut tirer de loin. Vous voulez virer qui? Kawaki et Sumire. Recrue Katsu. Les gars, sera... Elle est forcément pas avec Katsu encore. La prochaine fois. Lors du live XP. T'as rien fait en disparant cruellement sur Twitch parce que là t'es sous level. Ah bah si, pourtant on a fait des matchs hein. Mickaël, AD, Mickaël, Virtasuke, Mickaël, Wanli, Mickaël. Bon bah allez, Mickaël, le chat ne t'aime pas frérot. Désolé. Passer Victor, Ryoma et Sakamoto sur le terrain. Tasuke est niveau 1 pour l'instant. Il va observer le terrain. C'est notre stagiaire. Mais peut-être qu'il aura du temps de jeu. Voilà, ça on met comme ça. Voilà, là on est bien. Ryoma, je suis obligé de le mettre. Voilà. Du coup, bah, Fei, remplaçant. Écoute, vu que t'as pas d'esprit guerrier, tu sers un peu à rien en ce moment. Tu es remplaçant, frérot. Ah, le jeu, ils l'ont quand même mis sur le terrain, je suis mort. Mais il est quand même remplaçant, hein, il croit trop lui. Et comment d'ailleurs si je pouvais ajouter en tant que modeste coach? En vrai ça se fait pas, la vérité ça se fait pas je trouve. Je trouve c'est trop. Et c'est vraiment, ça se fait vraiment pas hein. Pourquoi pas? Ah mais ce manque de respect.
Et c'est du harcèlement, hein. C'est de la victimisation là. Il y a du racisme envers les ours, je trouve. Xanar continue ses manigances, on dirait. J'espère que Soji quitte. Ok. Allez, c'est parti, les gars. Level 26 REMS. Il faut faire XP recrutement. Mais non, vous inquiétez pas, ça va bien le faire. Tu finis quand ton live? À la fin du chapitre. Donc ça peut être maintenant, comme, comme dans 2 heures, je sais pas. Enfin, j'espère pas que ça va être dans 2 heures quand même. Un joueur capable de marquer de quasi n'importe où depuis le terrain, peu importe la force du goal. Ah bah pas mal ça. Son niveau combien? J'ai même pas vu. Juste un arc 33, ok, ils sont bien niveau 33, niveau d'équipe, je viens de voir à droite. Ok, bah les gars, on a 7 niveaux d'écart, c'est très bien. C'est très très bien. Mais en vrai ça va parce que c'est... à part, vu qu'on a... Tasuke au niveau 1, en vrai ça trompe un peu le truc. Je pense qu'on doit avoir 3 niveaux d'écart, un truc comme ça. Change de dispositif, on change pas une équipe qui gagne, les gars. On change pas. Si je perds, par contre, je changerai. Ah merde. Voyons à quel point tu penses ce que tu dis. Merde, il a dit quoi du coup? Désolé, le chat, j'ai pas. J'ai skip, je voulais jouer. Je pense qu'il a dû dire en mode je vais vous défoncer. Allez Victor, c'est quoi? C'est toi qui va tirer. C'est toi qui va tirer Victor. T'as des types feu en attaque. Mais ouais mec, c'est le feu mon attaque. On attaque frérot. Alors voilà, Victor va tout droit. Mon attaque mec, tu vas voir. Tu vas voir l'attaque. Voilà. Ah merde, il a invoqué. Putain, il invoque direct lui. Mais j'ai même pas vu quand il a invoqué. Qui sent le gardien invincible? Quoi, il fait que 299. Ah mais Victor, il fait aucun effort hein. Oh, première fois je vois dépasser 1000 dans le let's play, je crois. Allez les gars, leur gardien il est trop fort. On tombe, pour une fois on tombe sur un gardien fort hein, ça va être compliqué là. Oh Xanar, oh là là là, il est trop rapide. Oh, vous l'avez vu? C'est pas humain ça. Ah non, JP, attends, mais ils sont beaucoup trop rapides. Et si tu me dis qu'ils sont pas dopés, je te crois pas. Hein. Oh, je sens le match vraiment dur, vous le sentez ou pas le match dur là? Oh là là, même en courant à fond, putain. Et ce mec, il a le Covid, comment il peut être encore sur le terrain? C'est pas possible. Mais ils ont réduit ma valeur, c'est pas possible, je peux pas faire du 104. Non mais ils ont réduit ma valeur là, non? Non mais ils m'ont nerfé là, les gars. Je suis sûr, ils m'ont nerfé 100%. Et les gars, on est d'accord. Depuis quand Gabi fait 100 de valeur? Allez Arion, tu fais combien? Normalement il fait 150 là ou 160. 75, mais la blague! Oh mais ça suffisait pas quoi. Oh là là, j'arrive plus à jouer maintenant à cause de... Ils m'ont... Putain, mais j'avais pas besoin de ça. Et le match va vraiment être dur les gars. Le match va vraiment être dur putain. Comment tu veux que je fasse? Faut que je fasse la passe à Sol ou à Ricardo. Aïe. Vas-y Sol. On est d'accord le chat hein.
Il va arriver tout de suite, il va me faire un pressing de malade. Oh non, oh non, Wan Li. Non, mais non, mais frérot. Mais c'est une merde, putain. Mais qu'il est nul. Mais qu'il est nul. Mais qu'est-ce qu'il est nul. Il est éclaté, gros. Non, mais c'est une honte. Oh, j'ai trop le seum. Oh non, mais il fait l'erreur dans l'axe, ce chien. Oh, tu vas te dégager de l'équipe à la fin du match. Oh, sur ma vie, à la fin du match, sur la tête de moi, tu te dégages de l'équipe. C'est bon, vers maman, tu peux pas faire des erreurs là. C'est... Je t'ai pardonné plein de fois, Wan Li. Mais là, c'est pas possible. Sale chien. Sale chien. Bon, ça va, heureusement. Vas-y, JP, tu m'arrêtes ça. Hein. Tu m'arrêtes ça, JP. Wan Li, putain, c'est vraiment un putain de... Oh, j'en peux plus, lui. Heureusement. Heureusement, il fait pas de technique, Xanark. Hein. Qu'est-ce qu'il faut? Mais qu'est-ce qu'il faut? Allez, les gars, on le marque, ce but. C'est le coup du destin. Et Wan Li, ça se voit, il veut me gâcher, ma vie, hein. Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Ils font des critiques en plus. Oh, le match trop dur, quoi. On peut vraiment le gagner, ce match? Oh là là. Raté en plus. Il va falloir de la XP recrutement. Non, je pense qu'il faut juste virer Wan Li de l'équipe et tout ira mieux. Ce gros nul là. Après, vous voulez pas que je le mette dans... Il y en a, il me disait... Ouais, Wan Li, faut pas le mettre dans l'équipe des plus éclatés. Il a le mur de l'Atlantide. Et l'Atlantide, sa mère, ouais. Trop éclaté, Wan Li. Je m'en bats les couilles du mur de l'Atlantide. Il a servi une fois dans toute la série. Non, maman. Ouais. Vraiment, Eugène te pourrait moins la vie que Wan Li, je vous jure. Je préfère Eugène que Wan Li maintenant. Ryoma Sakamoto. Mais je sais pas ce qu'il faut que je fasse en fait. Je sais pas ce que je suis censé faire. Je suis censé faire quoi là, les gars? Le jeu il s'amuse avec moi là. Je suis censé marquer? Je suis censé faire quoi là? Je suis perdu. Bien, Gabi, heureusement qu'il est là, bordel. Un vrai défenseur, ça fait pas de mal. On n'aura pas le temps, on n'aura pas le temps. Vite. Longue passe en profondeur. Sol, 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 sol. Tire. Ouf, la belle passe. Ah, les gars, j'ai géré là. Allez, sol. Ça, ils l'ont nerfé. Oh, il a pas fait technique. Oh, il a pas fait de technique, le con. 1-0. Je vous ai dit, Sol, il va rattraper le classement des buteurs. Je vous l'ai dit, hein. Sol, à la fin du let's play, meilleur buteur. Ce mec, je l'aime. Je l'aime, putain. Ah, oh, merci, Sol. Et Sol qui est gère, les gars. En vrai, ça va, c'est pas si dramatique que ça. 1-0 à la mi-temps, on peut le gagner, ce match. J'ai eu un petit doute à un moment, mais on peut le gagner. Ça suffit, Okita, va t'asseoir sur le banc. Non, je peux encore. Et Okita, il me saoule. Il est faible. Il est si faible. Vous êtes sûr que ça va aller? Je ne peux pas protéger mon pays, pas dans ces conditions. Et j'aurais peur de faire un Miximax avec lui, la vérité, hein. J'aurais peur de devenir encore plus faible que ce que je suis. Vous voulez défendre le Japon? Il faut convaincre le shogun de la nécessité. Nécessité, ok, putain, je suis vraiment dyslexique. De l'ouvrir au monde et se préparer à l'avenir. Les gars, des fois, moi, j'arrive pas à lire, je sais pas pourquoi. Je pense que j'ai dû avoir des problèmes dans mon enfance. Il aurait fallu que je voie quelqu'un, genre.
que je vois, comment ça s'appelle les mecs là qui t'apprennent à écrire, enfin je sais pas comment dire. Comment ça s'appelle? Il y a des cours d'orthophonie, un truc comme ça, je crois que ça s'appelle. J'aurais dû faire ça, je pense. L'emprise du shogun conduit à la stagnation du Japon. Parce que je vous jure, des fois j'ai trop des problèmes. Même pour écrire, des fois j'écris des mots qui n'existent pas. L'orthophoniste, ouais, c'est ça. Au fond de toi, tu sais que j'ai raison. Mais tu préfères te détourner de la réalité et continuer à soutenir le shogun malgré tout. Me tuer n'y change rien. J'étais allé voir une orthophoniste une fois. Ici, en ignorant le reste du monde, ne sert à rien non plus. J'étais allé voir une orthophoniste une fois. Elle m'avait dit non, il n'y a pas de problème, ça va, il peut être normal, enfin machin. Genre, j'étais allé la voir que 2-3 fois, tu vois. Mais en vrai, je pense qu'elle s'est trompée. 100%. Vous voulez dire que nous sommes dans l'erreur? C'est impossible. Vous vous êtes trompé? La belle affaire. Tout le monde peut faire des erreurs. L'important est de le reconnaître et de se rattraper. Me rattraper, mais comment? Il est trop tard, je ne peux plus reculer. Alors, vous abandonnez. Je comprends ce que vous ressentez. Mais je connais quelqu'un qui n'abandonne jamais, même si tout espoir semble perdu. Oh Vlad. C'est vrai mec. Cette personne est celle que j'admire le plus au monde. Mais je suis membre du Shinsengumi. Défendre le shogun est ma raison d'être. Je vous en prie, prêtez-moi main forte. Avec votre aide, je saurai défendre une cause juste. Une cause juste? Okita. J'ai fait le serment de défendre le Japon, de protéger l'avenir de ce pays. À mes yeux, rien ne surpasse notre nation. C'est la chose la plus importante au monde. Et où elle m'appelle, je dois me rendre. Ce n'est pas pour moi que vous vous battez. Consacrez votre vie à une cause juste. Consacrez-la à l'avenir de notre pays. Ensemble, nous protégerons le Japon. Oui, commandant. Ce sont les propres mots du commandant. Il répétait que la vocation du Shinsengumi était de défendre ce qui en valait la peine. Alors si vous dites vrai, très bien, je vous crois. Je vais vous offrir ma force. Tu ouvres enfin les yeux! Désormais, j'ai l'impression d'y voir clair. Je discerne enfin le véritable enjeu de ma vie. J'étais captivé par l'histoire. Même si elle sera courte, mais fais un seconde mi-temps, j'aime plus. Non. Qui me reste à défendre cette cause. Je garde mon duo là, Sol Victor. C'est le moment ou jamais. Et un maximum. Tu étais hyper concentré, ouais. Victor Blade. Un. Allez, c'est parti. Et 2-1. Oh là 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 là, quel flow, mais quel flow. Vous ne le regretterez pas. Oh mais alors, il a mis la glow up hein. Et c'est un truc d'ouf, comment ça lui va bien à Victor. Le gars il s'est fait pousser les cheveux, nouvelle teinture. Et il a bronzé de ouf, en plus ses yeux ils sont trop stylés. Franchement je valide 100% le Miximax, il est validé à 100% les gars. Wow, attention les yeux les potos, voici le nouveau Miximax qui vient de mettre un peu de piment dans ce match, Blade et Okita. Incroyable. On va voir ce qu'il vaut en termes de puissance maintenant. Et maintenant regardez le duo de choc qu'on va avoir. Regardez bien les gars. Remplis la barre de protection. Ok. Alors Victor, petite invocation. Non. Putain j'ai le seum. Y'a qui a en trop? Bah tu sais quoi, attends je vais finir suite seul. Oh, 800. Ah celui de Ricardo au pire, attends. Hop. Allez. Allez Ricardo. Oh, il m'a défoncé, il m'a lavé hein. Il va tirer là. Ah oh, ça va, heureusement. Bah merde, il a son autre esprit guerrier, c'est vrai, putain. Oh merde, alors là, il faut pas qu'il invoque. Faut pas qu'il invoque l'autre là, les gars. Il y a Mbappé dans la surface. J'ai un Dragon Ball Z, mais version Inazuma Eleven Go. Mais moi je kiffe les transformations de Inazuma Eleven Go Chronostone. Alors JP, c'est du 1 contre 1 là. Là, JP, c'est toi.
Ah, j'espère qu'il va pas se pisser dessus comme le chapitre dernier là. Il voyait ça, il était en mode le tir est trop puissant. Et ta gueule, arrête le tir là. Oh, t'es nul. Hein. Et je regrette vraiment l'époque de Mark Evans. Hein. Rien que pour ça, j'en avais un vrai gardien avant. En plus, j'ai même pas avancé la barre. Allez, Victor. Confluence. Je pense qu'en armure, il le passe. En armure, il le passe 100%. Voilà, parfait. Putain, c'est compliqué. Hein. Pff, ils me réduisent trop ma valeur. Marc revient. Ah ouais, je te jure. En plus, là, il est dans une pierre, là. Ok. Très bien, les gars. On a réussi. Le jeu s'est nettement amélioré depuis la première mi-temps. Ce nouveau Miximax a complètement changé la donne. Puisque c'est comme ça, ils vont découvrir le vrai pouvoir de Xanark Domination. Ah non, encore cette douleur. Oh non, il va encore... Non, il va encore exploser. Oh là là, mais c'est n'importe quoi. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est n'importe quoi. Il a tellement de puissance en lui, Xanark. C'est un truc d'ouf. Pourquoi m'avoir aidé? A ton avis, le match n'est pas terminé. On veut t'écraser à la loyale, Xanark. Pas question de gagner par forfait. Seuls les plus grands aident leurs adversaires. Laissez passer cette occasion serait un effroyable gâchis. Ryoma et Ryoma, c'est l'heure d'un Miximax. Notre Ryoma a prouvé sa valeur. Il n'y a aucune raison que ça échoue cette fois. Je suis sur le coup. Et on va avoir 2 Miximax d'un coup dans l'épisode. On va avoir 2 Miximax, c'est incroyable. Oh là 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 là, putain, c'est parti les gars, mais là on est invincible là. Attends, bah ça veut dire... C'est-à-dire on a combien de Miximax maintenant? On en a énormément. Oh, le petit toutou a appris un nouveau tour, c'est ça? Montre-moi ce que ça donne. Ah ouais, oh le respect gros. Attends, tu vas voir le petit toutou mon pote. Nice ça, on va voir hein, on va voir les gars. Pour l'instant on n'a pas vu encore la puissance de Victor ni de Ryoma. Encore. Viens là toi Gaul. Viens là. Katana Chrysanthème. Est-ce qu'ils vont réduire ma valeur? Putain, ils l'ont réduit. Mais pourquoi réduire ma valeur? Je pense qu'il a la même puissance que Sol. Hein. Les gars, pour ceux qui jouent Victor, est-ce qu'il est fort son Miximax? Parce que là, on n'en sait rien vu qu'ils ont réduit la valeur. Mais est-ce qu'il est fort? Normalement. Oh, ça passe. Oh. On a réussi. On n'aurait pas dû sous-estimer, mais c'est une des plus grandes épices du Shinsengumi après tout. Oui, il est fort. Ok. Arion, par contre, on l'a pas vu de l'épisode. Ça fait du bien. On l'a pas, il a pas trop ouvert sa gueule pour une fois. Allez. Bien joué, Victor. Ok. N'allez pas croire que je fais ça pour ces vieux croulants d'Eldorado. C'est ma fierté qui est en jeu dans ce match. C'est justement ça le cœur du football. Je vous laisserai pas faire.
C'est vraiment un putain de Seiyan. Et les gars, vous pensez que je le gagne ou pas? Faites vos pronostics dans le match. Est-ce que je gagne ce match? Double ration d'armure d'esprit guerrier sur le terrain aujourd'hui. Regardez-moi ça, le suspense est insoutenable. Arioma, vas-y, fais-moi une masterclass, Arioma. Fais-moi une masterclass, c'est ton moment. Oh là là, Arioma. Courant des ténèbres, vous êtes prêt à la masterclass ou pas? Allez, ça dégage. Raté, bon, c'est pas grave. Oh là, oh le dragon, il est incroyable. T'as vu ça? Je suis mille fois plus fort avec l'aide de Ryoma Sakamoto. Arrête, je vais m'évanouir de bonheur. Oh, la technique, elle est beaucoup trop stylée. Allez, toi, on va te poutrer, mon pote. Et Ryoma, il est fort en vrai. Hein. Allez, ça rentre là. Bien sûr que ça rentre. Eh oui, monsieur, 3-1, 3-1, les gars. On continue. Je pense que c'est plié, hein. But, tout paraît facile pour Nishiki. Voilà qu'il fait sa nouvelle armure d'esprit guerrier en inscrivant un but d'anthologie. Alors, Zanark, qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai vu pire, j'avoue. Putain, les gars, regardez-moi ce trio. Qu'est-ce que tu veux faire, Wazama, puissance offensive, mon pote? Regardez ça, mais c'est même plus drôle. Hein. C'est. Regardez ça, allez, gang bang, mon pote. Ah, c'est plus drôle. Hein. Quoi? Comment il a fait? Il m'a surpris lui. Goma MVP. Je te jure, il m'a dribblé, j'ai pas compris. Comment il a fait? Ok, j'ai l'impression qu'ils m'ont remis ma valeur de base. Ryoma, j'ai dû faire la passe après. Regardez ça comme il me suit. Victor n'avait plus de vie. Ah oui, il avait plus d'endurance. Ok. Est-ce qu'il l'arrête? Est-ce qu'il l'arrête pas? Je ne sais pas. Attention. Mais en tout cas, ce gardien est bien meilleur que JP. Hein. Il a fait du 1000 tout à l'heure. Hein. On a réussi. Comment il a fait pour faire du 1000? En valeur réduite, tu as bouffé tout le let's play, t'inquiète. C'est trop scripté. C'est trop scripté ça. Il réduit tes points de guerrier à 0 si ça arrive. Attends, merde. Putain, il m'a dribblé le chat. Il a une armure. Elle est trop stylée. Elle est incroyable son armure, comme elle est stylée. Bon, elle aura pas duré longtemps, mais elle était stylée. Bon, compliqué quand même, hein. L'équipe de Zanark, tu vois, elle rigole 0 hein, quand même. Ce match là, 4-1, c'est pas mal quand même, je trouve. Tu es trop sous level donc ta valeur baisse. Non, je pense pas que c'est pour ça. Bah, sinon, ça n'a aucun sens. Je suis déjà sous level, ça sert à quoi de m'handicaper encore plus? Ok, il a plus rien. Victor, tu vas finir. C'est toi qui vas terminer ce match. Viens là, Victor, vite, Victor. Allez, Victor.
Bon les gars, je vous laisse avec Victor et le tir. Moi je pisse un petit coup, j'ai trop envie. Je vous reviens de même pas 2 minutes. Ok, il a marqué, putain. Ça se trouve, il aurait même pas marqué, ça serait reparti après. Je suis parti comme ça, moi. J'avais 100% confiance en Victor. Pain au chocolat. Oh, les vieux débats, les gars. Pain au chocolat. Pain au chocolat ou chocolatine, de toute façon, c'est pain au chocolat, les gars. Faut arrêter avec ce débat. Il est vieux comme le monde, mais tout le monde sait la réponse, donc... Les gars, j'avais trop envie de pisser, ça fait tellement du bien. Ça faisait un moment que je me retenais. Dites-vous, ça faisait depuis avant le match. Ça faisait depuis... Je pense qu'on a recruté Tasuke. Depuis qu'on a recruté Tasuke, je me retenais. Ça va, j'ai tenu longtemps. Non, j'ai toujours pas de nouvelles. Je te laisse en claque. Non, j'ai toujours pas de nouvelles du prochain jeu Inazuma. Et vos pseudos, vous êtes des cracks. Hein. Nous avons perdu. Quel match et quelle victoire. Bon bah Zanark, on t'a cassé le fiac. On l'a cassé en 4 les gars. Au niveau 12 direct. Putain, il était niveau 1 avant le match. Pas mal. Ok, ça va pour l'instant. On gère putain. On est pas trop sous level encore. Et le coup de sifflet final retentit dans l'arène. Remort remporte une victoire une éclatante victoire. On l'a fait les gars. On a perdu, bah on ne peut pas gagner à tous les coups. Je savais que tu dirais ça. Ça va, ne pousse pas le bouchon. Maintenant, levez l'interdiction du football. Et rendez-nous le coach Evans. Ce petit machin que tu appelles le coach Evans. C'est une plaisanterie. C'est une pierre chronostone. C'est qui ton préféré dans un mode? Je sais pas du tout. C'est quoi la... J'ai pas compris. C'est quoi ton préféré dans un mode? Bah justement, c'est ça le malus du fait d'être sous level. Et je crois pas, hein. Je crois que c'était fait... Il nous faisait pas ça avant. Comme Sol va avoir son armure dans l'histoire, autant donner l'armure à Gabi, non? Mais Gabi, il a déjà une armure, je crois. Oh! Naruto Ninja là, il fait quoi? Oh, on s'est fait Ken! Oh, le mec il s'est TP comme ça quoi. Honorez votre promesse maintenant. Ouvrez notre nation au monde. Putain, il était trop furtif le mec. Eh bien, il semble que je n'ai guère le choix, votre éminence. Allons-nous-en. Oh, la tête de Sakamoto, elle a un problème. Ah, gros problème. Oui, tout se déroule comme prévu. L'ouverture du Japon était inéluctable. Et la stratégie de l'autarcie était une impasse. Et je ne suis pas mécontent d'avoir mis un point final.
C'est Goku qui se téléporte. Mais t'es grave rapide, hein. Il a l'air de prendre les choses plutôt bien. Pourtant, les livres d'histoire sont formels. C'est maintenant que son règne prend fin. Il va s'effacer de la scène publique. C'est la fin d'une époque, littéralement, boum. Oh, et nous allons enfin pouvoir bâtir un nouveau Japon. Oui, ce pays sera plus jamais le même. Cette nuit historique s'achève à l'aube et se lève sur une nouvelle ère. Je préfère Axel ou Victor. Il y a vraiment des gens qui se posent cette question en 2021. C'est une vraie question. À propos de temps qui passe, on pourrait peut-être songer à revenir à notre époque. Tous aux transporteurs temporels. Bon bah les gars, je pense qu'on a fini le chapitre. Là, on va pas tarder à arrêter. Retourner dans le présent. Bah on va juste retourner dans le présent et je pense qu'on s'arrêtera là les gars pour aujourd'hui. Alors, c'était où déjà? Putain, c'était grand en vrai. C'était par là, je crois. Vous partez déjà? Oui, on a encore beaucoup. Ah putain, mais Ryuma, il va me manquer. Je l'aimais bien, lui. Je comprends, laissez-moi simplement le temps de vous remercier. Nous n'aurons rien pu accomplir de tout cela sans vous. Oh, on avait encore plein de gros mots de chez nous à vous apprendre. Je les apprendrai ailleurs. Ne t'inquiète pas. J'ai tant de contrées inconnues à découvrir. Je suis un amoureux des langues étrangères, mais je n'ai jamais eu l'occasion de pratiquer. En vrai, il y a pas si longtemps que ça. Hein. Là, on regarde un truc, c'était il y a que 200 ans. Hein. C'était cette époque. Hein. Quant à toi, Ryuma, tu deviendras un grand homme. Crois-moi, il faut beaucoup de noblesse pour aider ses propres ennemis. J'aimerais autant qu'il ne les aide pas trop quand même. Eh ben les gars, c'était pas mal ce chapitre. C'était pas mal, c'est pas mon préféré parce qu'il y a eu beaucoup de dialogue. Mais honnêtement, ça aurait pu être mon préféré s'il y avait eu moins de dialogue et plus d'action. Mais bon, après c'était bien. Oui, et ce n'est pas tout. Vous m'avez aussi apporté le football et je compte bien y jouer tous les jours. J'ai bien décidé à devenir ce jeune homme athlétique que vous avez montré en photo et boum. Je ne sais pas comment vous remercier. Vous m'avez aidé à protéger quelque chose qui m'est très cher. C'est moi qui devrais te remercier. Comment ? Je me précipitais, ne songeant qu'à laisser une trace dans l'histoire, une preuve de mon existence. Mais tu m'as rappelé qu'il y avait des choses plus importantes. Des choses plus importantes ? Oui, à trop vouloir laisser une preuve de mon existence. Oh là, c'est beau. J'ai oublié de la vivre. Oh là là. Tu m'as aidé à reprendre goût à la vie. Magnifique. Cela faisait si longtemps que je n'avais pas ressenti cette douce flamme au fond de moi. Allez les amis, il est temps de se mettre en route. On doit vraiment y aller cette fois. Salut Ryoma. Salut. Eh la vérité, vous allez nous manquer les frères. À la prochaine. Ah, j'allais oublier. Vous oublierez salut, jamais. Ryoma. Non, dis-moi pas que c'est du tofu. Ah ça va. J'ai eu peur qu'il nous fasse une katsu là. C'est ici que nos routes se séparent. Vas-y et continue de te battre pour ce qui est important à tes yeux. Comptez sur moi. Mais il est plus malade là. En avant. Il est plus malade là, Okita. Ouais, tiens, il tousse plus, ouais, je suis d'accord. Hop, on retourne dans le présent. Quand tu fais un live XP recrutement, Rems, ah bah ça sera pas la semaine prochaine, on fait la période du Crétacé. Donc la semaine d'après prochaine. Voilà les gars. D'une seule nuit. Et ce n'est que le début. Oula. Ce n'est pas moi qui te contredirai sur ce point. Ils ont vraiment du flow quand même avec leurs sabres. Ah, le soleil, le vent. C'est magnifique. Nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle pour le Japon. Demain, tu feras un live sur Twitch. Yes, demain à 18h. Drôlement tenir à ce caillou. Rendez-vous, on va regarder le premier film de Pokémon, ça va être une dinguerie, je l'ai jamais vu. Celui-là, je ne l'ai jamais vu. Ça sera avec Mewtwo et Mew, je crois. Donc, je pense que ça va être une dinguerie. Et ce pouvoir que je sens en moi. Et par contre, Zanark, on n'en parle pas assez. Hein. Zanark, il est trop fort. Hein. Les gars, Zanark, c'est un Saiyan. Hein. Tout ça ne me dit rien qui vaille.
ne semble pas avoir conscience de ce que tu pourrais faire avec ses pouvoirs. Henry, va-t'en. Tu ne sais absolument rien de moi ou de mon pouvoir. Au contraire, mon ami. Toi et moi, nous partageons le même talent. Le même talent ? En effet. Et ce talent te permet de rejoindre les rangs de la New Gen. Il veut trop faire le recruteur. La minute football d'Arion Sherwin. Épisode 7, les talents. Intéressant tout ça. Hein. Les talents ne sont pas aussi négligeables qu'il n'y paraît. Ils peuvent être de véritables atouts. Chaque joueur peut utiliser jusqu'à 2 talents en temps normal et jusqu'à 4 grâce au Mix et Max. Bon ça les gars, je le laisse mais... C'est la leçon d'Arion un peu inutile à chaque fin d'épisode. Si vous rencontrez un joueur qui possède un talent intéressant, utilisez son aura. Non, en vrai, c'est pas inutile. Pour ceux qui découvrent le jeu, j'avoue, c'est bien ce qu'ils ont fait. J'avoue que c'est bien. Sauvegarder les données. En plus, même des fois, j'avoue, il y a une leçon qui m'avait appris des trucs. Ou des trucs que j'avais oubliés. Président Todd's Force, nous avons sous-estimé Raymond. Conseiller Guile, il est grand temps de réagir. J'ai peut-être une solution. Poursuivez. Voici l'équipe excellente. Des joueurs absolument parfaits construits de mes propres mains. Ils ont un regard, t'as pas envie de croiser ça. Le moment est venu. Ta mission peut commencer. Compris, nous allons accomplir notre mission conformément au plan 13. Il me fume ce putain d'androïde. Bon bah les gars, on verra ça la prochaine fois. Hein. Oh c'est pas vrai, nous avons battu Dark Domination, mais ni le football ni le coach Evans n'auraient apparu à notre époque. Dark Domination nous a été envoyé par Eldorado, c'est certain. Mais ce n'était pas leur équipe officielle pourtant. Que pouvons-nous faire? Si on était assez fort pour se mesurer à eux tout de suite, on pourrait voyager dans le futur et les affronter. Quoi dans le futur? Il n'y a pas 36 solutions pour trouver le coach Evans et le football, nous devons vaincre Eldorado. Oh, c'est le futur la prochaine fois? Faut que le niveau soit supérieur à celui de leur meilleure équipe, sinon inutile d'espérer l'histoire sur les rails. Putain. Leur meilleure équipe, tu veux dire qu'ils ont une équipe encore plus forte que celle qu'on a déjà affrontée? J'ai bien peur que ce soit plus dur, soit à venir. D'accord, le plus dur soit à venir, ok. Zadar Domination et le protocole Omega n'étaient que des amuse-gueules. Le plan principal a pour nom équipe excellence. Ah mais lui, il croit trop, il a dette ça avec sa blague. Professeur Cryptix. IE, le foot, les amis, les emmerdes. C'est bien résumé, ça. Je dirais aussi les pouvoirs qui sortent de nulle part, genre. Les Super Saiyan. Panique préhistorique. Ah bah si, du coup, c'est bien ça. Du coup, c'est bien ça. Mais pourquoi il parle de futur? J'ai pas compris. Bon, me dites pas, les gars. Au moins, il y a un truc que j'ai oublié. Ne me dites pas. Comme ça, la prochaine fois, ça sera découverte. Comme ça, ça sera bien. Et bien, il semble que l'équipe excellente soit déjà en route pour nous rencontrer. Notre victoire face à Zadar Domination n'a fait qu'accroître la vigilance de nos ennemis. L'équipe excellence a été chargée de protéger la déviation temporelle afin que l'interdiction du football soit maintenue. Si j'ai bien compris, notre seule chance de réhabiliter le football est de battre l'équipe excellence. Comprenez bien ça. Ça ne va pas être de la tarte, les amis. L'équipe excellence est vraiment très différente de ce que vous avez connu jusqu'ici. Je rigole, ils sont nuls. Hein. Franchement, je rigole. Leur coach, Summer Gill, a fait de cette équipe une machine à gagner, quel que soit l'aspect du jeu qu'on considère. Quel que soit l'aspect du jeu, professeur, qu'allons-nous faire? Il a encore disparu. Et il me casse les couilles. Vivement l'équipe Modestie et l'équipe Je pète plus haut que mon... C'est toujours ça. Tu vas pleurer la prochaine fois avec l'équipe Excellence. Bah j'espère qu'ils sont forts, hein, on verra. J'avoue, Zanark, ils étaient pas mal. C'est une des rares équipes à pour l'instant m'avoir marqué un but hors scénario, je crois. Équipe ultime, c'est le moment d'ouvrir grand vos oreilles. Nous avons une nouvelle cible. 7ème joueur, un défenseur aérien qui règne sans partage sur les cieux. Et le 8ème, un milieu de terrain dont la... Ah, on a que 6 Miximax. Je pensais qu'on en avait large plus. Un milieu de terrain dont la vivacité recèle toute la puissance de jadis. Et les crocs acérés scupent les océans. Mais il en fait pas un peu trop, lui? Il s'agit de rien de moins que des dinosaures. Des dinosaures. Ah, il a fumé je sais pas quoi, le papy, là. Mais faut se calmer un peu.
Enfin, alors l'équipe ultime accueille aussi des animaux dans ses rangs. Ah, tu sais, on a Wan Li et c'est déjà suffisant. Hein. Ça va te faire déglinguer, Rems. Ah ouais, vraiment, ils sont si forts que ça dans le jeu. J'ai hâte alors. Je t'ai rarement vu aussi enthousiaste, JP. Je n'ai jamais compris l'engouement des gens pour ces gros bestiaux. Qu'est-ce qu'ils ont de si spécial? Mais enfin, Jade, comment peux-tu dire ça? Il n'y a rien de plus exceptionnel que les dinosaures. Oh, ta gueule, JP. Allez, c'est bon. Les dinosaures sont apparus sur notre planète il y a 200 millions d'années. Putain, quand même, ça devait être quelque chose, hein, les dinosaures, les gars. Et moi, j'aurais eu peur. Au cours de l'évolution de nombreuses espèces... L'homme, ils ont combien de millions d'années, l'espèce humaine? J'imagine, t'avais des humains au milieu de ça. Et le mieux, c'est qu'ils ont dominé la planète entière pendant 160 millions d'années. Oh, c'est vraiment des ouf. 160 millions d'années, c'est presque impossible d'imaginer une telle durée. Ils ont disparu tout d'un coup à la fin du Crétacé, il y a à peu près 65 millions d'années. Ouais, c'est la météorite, là. Je crois qu'il y a eu une météorite. Je crois qu'il y a eu une éruption volcanique aussi. Tsunami, enfin, ils ont eu la totale. Hein. Ils ont eu la totale, je crois. Puis, oh, mais j'ai hâte de voir comment ils vont faire la période du Crétacé. Je crois qu'elle est assez bien faite sur ce jeu, on va voir. Quel puits de science, ce JP, je ne savais pas que tu étais un intello. Une feuille a dompté l'aura d'un dinosaure, c'est un bon début. Ça ne suffira pas, nous allons avoir besoin de quelque chose de bien plus massif et puissant qu'un vulgaire tyrannosaure. Je savais pas que c'était possible. En effet, elle a éclaté son aura. C'est, je crois que c'est la plus nulle qu'on a eue. Ah ouais, faut qu'on trouve la relique, c'est vrai. Okinawa, très bien. Une école à Okinawa. Ok, et ben voilà les gars, voilà, fin du chapitre. Sympathique tout ça, on a réussi à bien augmenter l'équipe. Voilà, on a fait une petite recrue en plus. Tasuke dans l'équipe, ça fait plaisir. Nouvelle recrue du Mercato. C'était pas prévu à la base qu'on le recrute aujourd'hui, mais je me suis rappelé qu'on n'avait pas fait le thème de conversation. Donc en fait, ça tombe plutôt bien. Donc comme je vous l'ai dit, la VXP recrutement, pas la semaine prochaine, on fait la période du Crétacé assez avant, mais la semaine d'après, du coup, sur Twitch, on se fera ça, un deuxième live XP recrutement. Les gars, merci d'avoir suivi ce live. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu avant de partir, ça fait toujours plaisir, les gars. Tu vas te faire briser par l'équipe Excellence, ils sont très forts. Mais les gars, arrêtez de faire votre pronostic, vous verrez bien la semaine prochaine, les gars. Vous verrez bien. Non, arrête pas. Eh ben, il faut bien que j'arrête, il faut bien que je mange, les gars. Les gars, j'aurais bien aimé continuer, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Tu peux peut-être acheter des manuscrits pour booster l'équipe. Non, on s'arrête là, les gars, on s'arrête là. Je vois, vous essayez, vous tentez, mais on s'arrête là. Ça fait... On a fait 2 heures quand même, ça va. C'est pas une arnaque non plus. Entraîne Layton un jour. Un jour peut-être, les gars. Entraîne-toi hors live. Non, je préfère m'entraîner qu'avec vous, les gars. J'aime pas trop m'entraîner hors live. À chaque fois que je m'entraîne, c'est avec vous. Tu vas te faire briser par l'équipe Excellence. Ouais, ça j'ai déjà lu. À la prochaine, les gars, du coup. Hein. Merci d'être passé aujourd'hui. Demain, je vous rappelle juste le film Mewtwo à 18h sur Twitch pour ceux qui sont intéressés. Et voilà. Voilà, les amis, à la prochaine. C'était une super soirée pour moi en tout cas. Portez-vous bien. Peace. Ciao.